Mais les gars, pourquoi le pilote As roule avec 3 roues? Quelqu'un peut m'expliquer ou pas comment il fait pour rouler avec 3 roues? Allez, j'aimerais bien dans le virage, sur les deux McLaren, j'aurais bien là maintenant. Quoi? Oh là 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 là. Oh là là. Pierre Gasly, yo, ça va? Bah ça va super, et toi? J'ai vu, c'est la mouise là avec des pénalités là. Tu risques de prendre une course de sanction. Ah mon gars, j'ai vu ça là, je suis pas bien hein. Mais j'ai pas très bien compris, tu sais pourquoi toi? Ouais carrément, j'ai tout compris, j'ai même fait une vidéo qui explique tout de A à Z, elle est juste ici hein. N'hésitez pas à cliquer ici, ça dure une minute. Oh bien vu, je viens de regarder, merci beaucoup mec. Avec plaisir. Bon mec, j'ai trouvé une solution pour toi. J'ai déjà proposé plusieurs fois à Verstappen, Hamilton, etc. Maintenant c'est ton tour. Ah ouais, vas-y, dis-moi. En gros, c'est les Battle Royale. Le but c'est méga simple, t'as le droit de faire ce que tu veux. T'as le droit de couper les virages, aller en contre-sens, tu es qui tu veux, bref. Un gros battle royale. Arrête, jure. Mais comment je fais avec la FIA? Parce que là, ils vont mettre plus qu'une course de sanction là, non? Ok, mec, c'est bon, j'adore la FIA. C'est good. Tu peux faire ce que tu veux, où tu veux et avoir zéro pénalité. Let's go! Et vous aussi, si vous aimez bien ce genre de vidéo, sachez que c'est déjà le 9e épisode. Alors n'hésitez pas à regarder les autres vidéos, ça pourrait vous plaire. Sur ce, bonne vidéo. Let's go pour un nouvel épisode de Battle Royale sur F1 2022. On y va directement avec cette AlphaTauri. Je vous rappelle, l'objectif, être le dernier survivant. Il ne restera qu'un. On va commencer avec la spécialité de la maison, le 3-6. Qui va être ici, hein, le fameux... Bah non. Non mais on oublie tout, vous inquiétez pas, on recommence. Je disais donc le 3-6 de la maison, qui est une spécialité hein, de la maison. Hey, ça va? C'était pas ah. Oh l'assassinat. Oh l'assassinat. Alors normalement, on doit rester en vie. Hein. T'imagines, t'es là, tranquille, là. Coucou. Oh non, mais je suis un assassin. Juste avant que la vidéo commence, sachez que je fais jamais ça. Mais sur ma dernière vidéo, vous êtes plus de 76% d'entre vous à ne pas vous être abonné. Si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à le faire, ça encourage énormément et ça fait extra plaisir. Sur ce, bonne vidéo. Bon, écoutez, on va tenter la stratégie. Alors je vous rassure, mais c'est pas cette stratégie là que je voulais faire hein. Mais celle là. On va se mettre juste derrière un pilote genre. Mais non, mais qui est là? On se met derrière un pilote et on ne freine pas. Genre la scroll, on y va tout chousse. Let's go. Et attendez, on peut faire un maxi kill genre là et là maintenant. Bam. Vous savez que j'ai vraiment honte là de ce qui se passe. Oh là 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 là. Oh le contact. Oh là 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 là. Il y a un paquet d'aéros qui a volé hein. Et là le 3-6. Enfin le drift. T'es là, t'es son mate et tout, mais tu peux rien. What the fuck? Le frérot, il s'est fait expédier. Même la Faromeo, il est pas bien. Bon, bah écoutez, on en a eu 3. Ah si, il y a un abandon là, regardez, Vettel. Vettel aussi a abandonné. Salut, mon pote. Oh, j'ai failli mourir tout seul. Ça va? Attendez, il y a un mec qui vient d'abandonner juste à côté de vous. Et vous êtes là, vous restez debout et immobile. On est où là? Comment ça, tu me regardes comme ça? Écoute-moi bien, regarde-moi quand je te parle. Ok, ouais, voilà, c'est mieux comme ça. Par contre, alors, je veux pas dire, mais le numéro 2 et le numéro 4, c'est clairement des clones, hein. Ils font exactement la même chose tous au même moment. On est vraiment les mêmes. Ok, je suis sûr que personne ne savait que c'était des clones. Voilà. Bon alors ils vont nous mettre un tour d'ici quelques instants, on va venir se mettre dans le bon sens et il va pouvoir faire la course avec eux. Alors Leclerc, tu peux ralentir un petit peu? Oh alors Leclerc pas aussi fort hein, quand même. Oh le pauvre. Oh non. Oh ouais, il pouvait rien faire. Oh non, terrible. Alors comment on pourrait tuer une nouvelle personne? Le pilote Mercedes, tiens, dans ta tronche. Oh pardon. Et les deux Mercedes. Bien évidemment je n'ai rien contre aucune personne hein. Je kiffe tous les pilotes. Oh je suis désolé, l'Alpine aussi qui est tombé. Le pilote Alpine, c'est pas, dites moi pas que c'est Ocon. En dessus. Je vais essayer un truc avec Bottas. On ne freine pas, mais jusqu'au bout là. Est-ce qu'on peut aller au mieux ou pas? Ah oui, on y va clairement. Oh là là, oh là là. On va le faire prendre le fameux mur. Le mur des champions, puis là derrière là. Vas-y, passe-moi, vas-y. Je t'en prie, mon pote. La petite fille. T'inquiète, vas-y, dépasse-moi, mon pote. Mais attends, mais ma voiture, elle est cheatée, hein. Mais même la Tiffy, hein. Même la Tiffy est là encore. Mais comment il a perdu la roue? Mais comment c'est possible? Il y a tellement de façons de pouvoir tuer des personnes que je sais pas comment faire. Genre là, regardez, 3-6. Mais j'ai une voiture, elle est trop cheatée, les gars, je vous jure. On n'a jamais réussi un épisode aussi bien, quoi. Et vous savez ce qu'on va faire, les gars? On va faire un gros contact de front avec l'épisode qui arrive. Souhaitez-moi bonne chance, ça va mal se passer. Let's go! Oh, j'ai eu mal. Vous savez que j'ai contracté tous les muscles du monde.
Oh, le Biot Ferry, le réflexe qu'il a. Le Biot Ferry, c'est quand même très fort. Très très fort, l'esquive. C'est exceptionnel, c'est pour faire un deuxième gros crash. J'aimerais bien me taper un mec tout droit là, regardez, genre là. Ça va ? C'était pas beau à voir. Non mais comme on dit, jamais 203, hein. Allez, let's go. Allez, j'aimerais bien dans le virage, sur les deux McLaren, j'aurais bien là maintenant. Quoi ? Ça va, mais attends, genre sur le contact, ma roue elle reste, mais c'est après avec le mur, le truc le plus illogique possible. Bon, bah écoutez, on va essayer de faire un master kill dès le début. On le start, on le start. Alors là, c'est mon moment, c'est mon moment. My time, my time. C'était chaud là, tu vas bien ? Dis-moi si tout. En vrai, je vais recommencer la technique du 3-6 parce que si elle fonctionne bien, si je la fais bien, elle peut faire vraiment vraiment mal. Vous êtes prêts ou pas? Allez, on se concentre Calonne et là, maintenant. Bam! Un petit coup arrière, ça a pas fait beaucoup de mal là. J'avoue que non, je me suis loupé là. Je me suis. Et tu veux quoi toi? Tu veux quoi toi, Vettel? Oh, dur, Vettel il a perdu sa roue tout seul du coup. On peut avoir le doublé Aston Martin par contre là. Bra! Oh, mais la roue, mais elle ne peut rien faire là. C'est un tacle là comme un pélican là. Il est venu du ciel comme un pélican. T'inquiète mon pote, je suis là pour toi mon pote, t'inquiète. Mais maintenant, badam. Voilà monsieur. Et encore vie. Ah ouais? Tu veux un deuxième tour? Y'a pas de soucis. Nope. On se retrouvera mec, t'as ma parole. Alors par contre Sébastien Vettel, quand tu casses ta voiture, en fait le principal c'est quand même de prendre ta roue et tu la mets là-bas s'il te plaît. C'est vrai qu'on est au Québec, on va le faire en mode québécois. T'as mis arnaque Sébastien, tu fais quoi là? Prends ta roue et tu pars là-bas. Ça fait beaucoup là, non? J'ai vraiment honte de ce qui vient de se passer là. On oublie. Mais ils sont déjà là! Mais comment tu vas la Red Bull? Salut, ça va ou quoi, mec? Non, mais Killon! Allez, concentre-toi. Il y en a d'autres. Maintenant. Ça va? Quoi? Mais attends, mais ils sont tous passés réellement là? Y'a que moi qui ai vu partir le pilote sans roue. Mais les gars, pourquoi le pilote As roule avec trois roues? Les gars, peuvent m'expliquer ou pas comment il fait pour rouler avec trois roues? Attendez, mais c'est super pratique, il arrive, regardez, c'est super pratique par contre, il réussit à avoir une bonne aéro et tout, franchement c'est pas mal hein. Notre objectif clairement c'est de faire un gros blocage, le Biot Ferry a perdu son aéro, j'ai voulu bloquer à gauche pour vraiment faire un gros blocage, mais il avait pas de roue donc il a pu partir. C'est peut-être la sienne en fait, c'est qu'elle a là. Bon bah écoutez, on va continuer. Oh merde, oh mais j'ai une chance, c'est incroyable hein. Et Bottas aussi hein. Mais non mais c'est fou hein. C'est fou hein. Comment il reste en vie Valtteri et Bottas? Mais what? Mais attends, mais les voitures, on est en dégâts simulation les gars hein. Bon bah écoutez les amis, on va box hein. Je pense que c'est le bon moment pour aller changer des roues vu qu'on en a plus hein. Attendez, mais il y a des roues partout, il y a même à droite là. Mais what the fuck? Attendez, il y a une Red Bull qui arrive. C'est notre moment les gars, le 3-6. Oh là il est passé. Il a juste pété les roues, mais en tout cas il est passé. Bon bah dommage pour la Mercedes parce que vraiment je t'ai pas vu venir Hamilton. Oh je m'en sens vraiment bien là. Je m'en sens vraiment vraiment bien, je suis resté en vie. Let's go. Les Norris qui bloquent les roues. Attention, on déborde sur le côté alors que le pilote Alpine est sur le côté aussi. Ocon n'est pas loin du podium hein. On peut peut-être éventuellement arranger ça entre Français. Genre un petit Gassi qui arrive comme ça malheureusement qui vient percuter le mur. Putain mais il a abandonné Ocon aussi ou quoi là? Ah non il est un peu plus loin là. Mais Ocon il est dead. Mais non c'est son coéquipier qui l'a tué. On faisait ça pour Ocon, au final il est plus là. Mais attendez, faut s'occuper de Alonso alors. C'est notre concurrent là, il a tué Ocon. Salut mec. Comment ça va pas ici? Je crois que t'as peu beaucoup de roues. Eh ouais tabarnak. Pardon, alors Zou, déjà écoute-moi bien. C'est la première et dernière fois que tu me doubles comme ça. Je t'explique en fait. T'inquiète pas, Zou, je vais me venger. Bruh. What? Mais what? Non! Moi je voulais de la poigne, je voulais du crash, moi je voulais un truc. Bah non! Mec, il est rentré tellement vite que le jeu lui a dit stop. Attention parce qu'AlphaTauri normalement gère bien les pit stops. Hein. Bam! C'est à nous de jouer, les gars. On fait un undercut, les gars. Enfin, on passe devant. Maintenant. Let's go! On va piler directement là, voir ce que ça donne. Maintenant. Non, comment ça, tu me doubles, toi? Ah, écoute-moi bien, je crois que tu connais pas.
Ah, mais je suis en boulet, j'ai pas appuyé sur le 4. La touche 4 pour le limitateur de vitesse. Le leader de la course, Charles Leclerc, il est là. On va essayer d'aller tenter un petit truc sur lui. Je sais pas quoi tenter. Honnêtement, j'ai pas trop d'inspi pour le moment. Je sais ce qu'on va faire. On va lui faire un petit coucou au mur des champions, les gars. Charles Leclerc, au mur des champions, vous êtes prêts ou pas? Maintenant. Ouh là là. Il a encore envie. Hein. C'est incroyable. Hein. Le mur des champions, c'est plus ce que c'était. Hein. Vous y croyez qu'il a pas cassé les ronds? Il a rien cassé. Tu crois que j'allais te laisser faire comme ça? Ouais, ok. Red Bull, reste, s'il te plaît, d'ailleurs. Reste derrière, s'il te plaît, stop. Mais non, mais voilà, c'est ça ton problème. Non, mais... C'est pas voulu. J'ai pulvérisé Norris, mais c'était pas mon terre. Les gars, il y en a trois qui arrivent. On va faire un truc très intelligemment. On va se mettre pile poil sur la trage. Genre maintenant. Oh là là, mais là, si j'en ai pas touché, j'en ai pas tué deux, là, je ne comprends rien, là. Alors, attention, comment ça s'est passé, le petit spin? Oh, Ricardo is out. Il a out. Let's go. Double kill. Les amis, ils sont plus que 3. 3-3-3. Sainz, Leclerc et Perez. Qui... Ah non, il y a une Alfa Romeo aussi. Il y a l'Alfa Romeo qui est là. T'es le prochain sur la liste, mon pote. Je vais essayer de te tuer une seule fois. Si tu passes, tant mieux. Nope. On réfléchit à une stratégie. Tu veux changer ou continuer à suivre une... Oh, il a abandonné, Bottas. Valtteri Bottas vient d'abandonner. Oh la mort nulle. Premier moteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi si ça va. On en parle de cette mort nulle ou pas? Je vais innover les amis. Pour cette grande finale qui va opposer Charles Leclerc, Sergio Perez et enfin Carlos Sainz. Je viens de relancer le Grand Prix, tout le monde est là. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser faire un tour complet. Et là, dans cette ligne droite, ici même, je bombarde et je ne freine pas. Et on va voir qui sera le dernier survivant. Les amis, je suis en position et comme par hasard, regardez les trois premiers, c'est qui? Les deux Ferrari et la Red Bull. Je me prépare. On va commencer à accélérer petit à petit. Parce que là, c'est The Demolition Derby. Oh là là, ça va être un contact, mais comme il n'y en a jamais eu. Ça va, non mais c'était voir si ma roue était vraiment possible à casser. Et oui, effectivement, elle l'est. Oh, salut. C'était chaud là, tu vas bien? Dis-moi si tu... No way. Il me semble, mesdames et messieurs, que nous avons le vainqueur aujourd'hui. Un très très beau sauvetage. Le pilote Red Bull qui va être out. Et Marou aussi. Et le deuxième pilote Ferrari, regardez ça. Le pilote Ferrari qui vient se percuter alors qu'il a gagné. Attention, quel est son numéro? Le numéro 16. Mesdames, messieurs, Charles Leclerc s'impose aujourd'hui. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher votre petit like et votre commentaire si c'est le cas. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir dans les commentaires des idées. Et à très vite sur Twitch. Ciao, ciao.